السلام عليكم. غتخلط شويه العربيه الفرنسويه شويه الشحال، دونك الا قلت شي حاجه ما فهمتوهاش عاودوا جوغون بوبين. D'abord, c'est un plaisir d'être là. Je ne suis pas d'accord avec Tahrir le fun, il faut libérer les gens et pas l'art, parce que l'art est complètement libre. Donc ça, c'est très important. Je ne sais pas ce qu'il faut commencer par la dimension, on peut être un artiste, un vrai, très libre, très indépendant et gagner très très bien ma vie. Ça, c'est très très faisable, mais ça demande un travail. Ça, c'est néo, c'est l'élu. C'est très très peu de gens qui sont capables d'être dans cette ligne de pureté qui est on fait ce qu'on veut, ce qui nous éclate, ce qu'on a envie de partager avec les gens, etc. Par exemple, je donne un exemple très simple, c'est vraiment juste pour donner des chiffres et tout ça. Une journée de tournage, je coûte 30 000 dirhams. Si on m'embauche. Si je fais un projet sur plusieurs semaines, c'est 400 000 dirhams. C'est ça mes salaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est en fait, c'est le projet que je fais parce que ça m'éclate. Je pense que tout le monde a vu quelque part Bessara Overdose, tout le monde a vu, je sais pas, Novazlin Fatwa, des projets comme ça. C'est des projets que je fais parce que ça m'éclate. Ça me coûte rien, ça m'apporte beaucoup d'amour, mais ça m'éclate et ça me permet de faire des choses qui me rendent heureux. Je pense qu'il faut parler beaucoup du bonheur en fait dans la quête de l'art. Dans ce qu'on a envie de faire, donc comment on parle, je sais, vous êtes des jeunes, je pense que je suis le plus vieux parmi vous ici. Le plus important, c'est d'être heureux, c'est-à-dire à la fin de la journée, on s'éclate, on est rayonnant, on n'est pas vieux, on n'est pas comme ça, on n'est pas écrasé par la vie, on ne fait pas des comptes minables, on n'est pas dans une vie étriquée, etc., etc. Pour moi, c'est ça le plus important dans la quête de ce qu'on fait. Qu'on soit artiste, chanteur ou, je ne sais pas, collecteur de poubelles, presque ça revient en même. Sauf que si on parle d'art, je vais essayer de vous raconter des petites historiettes comme ça, pour rester dans le storytelling. Moi, je suis né, j'ai grandi dans un pays où il n'y avait pas d'école de cinéma, il y avait très très peu de considération pour tout ce qui est artistique. Et j'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. J'étais en train d'écrire avec l'idée de faire une bande dessinée. C'est pourquoi je suis très content de passer après Robin Spirit. Je voulais faire de la bande dessinée. Je suis un grand fan de comics, je suis toujours un fan de comics. Et ce projet-là, je ne l'ai concrétisé qu'il y a 2 ans. J'ai fini par faire le tour et faire une BD qui a été publiée, faire des projections, faire des expositions, etc. etc. Et c'est que du plaisir, en fait, de reprendre le dessin. Mais en fait, au départ, en fait, la première personne que j'ai rencontrée au Maroc, qui était un artiste, un cinéaste, il m'a dit, en fait, vous n'allez jamais pouvoir faire de film parce que c'est très difficile, c'est très compliqué. Je parle de 98, il n'y avait pas d'école de cinéma, très très peu d'accès à la culture. Le Maroc était encore une cocotte minute très très fermée, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Les gens n'étaient pas capables de dire ok, le summum, le top of the pop, c'est d'acheter une maison à crédit, de se marier très tôt et d'avoir les enfants très très vite parce qu'ils vont travailler pour nous plus tard. C'est-à-dire, on réfléchit toujours comme ça, et je trouve quand même ça malheureux, en fait, que la vie ne soit pas une quête mystique, quelque chose qui nous remplit de choses, de rencontres avec des gens débiles, et en même temps, parfois, dans les gens débiles, il y a des gens intéressants, il y a de la connerie partout, mais c'est pas forcément, on ne doit pas la laisser nous éclabousser, il faut porter le tissu, en fait, qui n'absorbe pas la connerie, c'est tout. C'est très simple, il faut s'armer de ça. Et en fait, aujourd'hui, en fait, j'ai plus de long métrage que le monsieur qui m'a dit il y a 20 ans, plus que 20 ans, vous n'allez pas faire de film parce que c'est très compliqué, c'est difficile, il faut avoir une formation, il faut être introduit, etc. etc. C'est juste pour dire en fait que si on veut, on peut. Après, on peut exiger de la société d'être un peu plus gentil, mais il faut qu'on soit de vrais warriors en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas venir se prétendre que la société nous écrase, ne nous permet pas, c'est difficile, etc. Si nous, on n'est pas formés, si nous, on n'a pas pris le temps d'être... C'est comme les films de Kung Fu, on prend beaucoup de temps pour entraîner les gens avant de les envoyer au combat. Si ce travail-là, on ne le fait pas, nous, chez nous, par conviction, personne ne le fera à notre place. Et à un moment donné du process, et c'est comme tricher en fait dans les examens, à un moment donné, parce que tu peux, comme tu veux, de ton voisin, mais à un moment donné, si on te pose la question et tu ne peux pas répondre, ça veut dire que tout ce que tu as fait avant est gangréné, est mauvais, ne tient pas la route. C'est comme construire une maison avec plus de sable que de ciment. Ça peut être joli de l'extérieur, mais ça ne marche pas. Et c'est là où j'appelle les gens à dire, ok, on n'est pas au Maroc, on est dans le monde, les amis. Oh, qu'on s'enferme au Maroc, à être avec les Marocains, avec la mentalité en fait des gens qui ne veulent pas te permettre d'avoir accès à la liberté, etc. Non, on est dans le monde. Le monde, c'est Internet, c'est tout ce qu'on a
juste à portée de doigt, quoi. C'est-à-dire faire ce qu'on veut. Moi, je suis un cinéaste entre guillemets marocain, mais j'ai été formé que par l'Europe. Rien, j'ai rien eu du Maroc. Rien, mais rien. C'est-à-dire une seule fois, j'étais à la Cité des Arts, une résidence de 6 mois. La seule chose que devait me donner le ministère de la Culture, c'était un billet d'avion. Et au lieu de me l'envoyer par mail, en fait, on m'a fait ramener jusqu'à Rabat pour qu'il me le donne. Alors que je lui dis, bon, il faut l'envoyer par mail, c'est quand même plus simple. Non, ils ne comprennent pas ça. C'est trop compliqué pour eux de dire, bon, je lui envoie, il faut que je le voie. Est-ce que c'est un mec chelou? Est-ce qu'il va dire du mal du Maroc? Il faut qu'on le voie. Qui ce mec qui... Bref, on a ça, mais il faut jouer avec ça, en fait. C'est comme... il faut jouer. En fait, il faut déjouer les pièges. Et jouer avec les pièges, avec la mentalité, avec les gens. Il faut être dans ce pays-là, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir cette singularité. Et le mot est très important, singularité. Singularité qui va nous permettre d'être important dans le monde. Parce que, je suis désolé, le Maroc, c'est une petite flaque. Quand le soleil frappe, il y a de moins en moins d'eau. Or, le monde est beaucoup plus grand. Les artistes, en fait, dans le monde parlent la même langue. Qu'ils dessinent, qu'ils chantent, qu'ils... La langue de l'art, en fait, la langue de la sincérité, la langue de la justesse, la langue de l'innovation, la langue de tout, en fait, quelle que soit la discipline. Et moi, j'ai énormément de chance parce que je me suis retrouvé à un moment donné, en fait, à être pris dans le monde et pas dans le Maroc, pas dans à faire des petites choses avec des petits calculs. Je ne suis pas producteur. J'ai refusé d'être producteur parce que il faut être un peu sincère pour être producteur. Moi, je n'ai pas envie de parler d'argent avec mes comédiens ou avec...